Et coucou tout le monde, c'est Moon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une nouvelle vidéo sur Startup Online, plus précisément sur la bande-annonce qu'ils ont sortie sur les chevaux belges. Et du coup je voulais voir la bande-annonce avec vous, la découvrir avec vous et puis l'analyser et voir comment sont les nouveaux chevaux. Je pense qu'ils arriveront mercredi, à voir, mais je pense qu'ils pourront peut-être venir mercredi vu qu'en général quand ils sortent une bande-annonce, le mercredi avec la mise à jour on a les chevaux. Mais on va les découvrir ensemble et voir comment ils sont, leur animation, etc. Donc c'est parti, je lance la vidéo. De la bande-annonce. Donc on va revenir au début, voilà, on a le premier plan avec les trois petits chevaux et la zone qui va venir après. Donc pour l'instant on voit qu'on a un gris ici parce que j'ai l'impression qu'il a la peau gris, donc c'est plus un gris qu'un blanc. On a deux chevaux assez sombres, on a un B, peut-être un B, B foncé et puis un noir, parce que je vois qu'il est pas tout à fait noir ici, plus chocolat noir. Et du coup on a l'alezan ici. Là, la tête qui fait l'autre énorme. L'alezan est très joli avec ses couleurs, je trouve. Très très joli avec ses reflets au niveau de l'encolure et tout ça. Je demande comment ils vont rendre en jeu. Parce que là en bande-annonce, j'arrive pas à me visualiser comment ils vont être en jeu. Mais voilà. Donc là voilà, on a l'animation du saut. Donc là ouais, il y a bien. J'ai l'impression qu'il rentre les postérieurs. Pardon. Et il balance les postérieurs un peu au saut. Peut-être revoir le saut. Je veux revoir le saut. Le gâteau, donc ça c'est le petit galop, je suppose. On a un petit trop. J'aime beaucoup le gris. On a fait ça sous douane. Là on a le Isabelle, un peu, il ressemble un peu à Spé. On a un B. Un petit noir. Ah, le noir avec le rouge, ça le voit trop bien. Je vois aussi que l'alezan a une grande lisse au niveau d'ici. J'ai pas trop vu les crinières aussi. Je sais pas si on peut leur mettre des crinières longues. Là, on a que la coupe en brosse et les pions qui nous montrent. On voit qu'on a une coupe un peu comme ça. Et une coupe de côté. On ne montre pas, on montre pas la coupe longue, je crois. En brosse. Enfin, la coupe sur le côté. Ils nous montrent pas s'il y a de coupe. On ne pense pas qu'il y aura des nattes ou quoi que ce soit. Ce plan il est joli aussi. Ouais, je suis en train de réfléchir. Après j'ai pas grand chose à dire, on voit pas tellement avec la bande annonce comment ils vont être. Je pense que le meilleur moyen pour voir c'est de voir comment ils vont être en jeu quoi. Si... S'ils vont être achetés ou pas, je vois pas trop les couleurs des yeux aussi sur certaines. Ouais, mais ils ont l'air très 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 sympa. Après, j'aime bien la forme qu'ils ont mis. À voir les animations qu'ils vont avoir. On n'a pas les animations danse, tout ça. Enfin, d'habitude, dans les bandes annonces, on voit un peu plus de choses, genre les danses, les animations de danse. Si on est.
spéciale. Et là, j'ai pas l'impression qu'ils ont une animation spéciale, donc peut-être qu'ils seront à 900, qu'ils ont pas d'animation spéciale. Si, là, là elle a pas une natte. Là, on voit une natte au niveau du gris, là. Il y aura une natte, à mon avis. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une natte, là, c'est le pion. À voir comment ils sont en jeu. Je sais pas, je suis dubitatif quand même. Là, je sais même pas s'il y a des yeux bleus dedans. Mais bon, là, c'est un spirit, mais il a l'air d'avoir. Il ressemble à un spirit, mais il n'a pas l'air d'avoir tant de reflets que ça comparé à l'alzan qui a des reflets un peu plus. On voit bien ses reflets au niveau des flancs et tout ça. Enfin, j'aime bien son côté. On verra. Je sais pas s'il en a fait plein. Ouais, le gris, je l'aime bien, mais je sais pas s'il en a fait plein. Ouais. Je pense que j'ai tout dit, il n'y a pas trop chose à dire, la bande-annonce est assez courte. Hein. Mais à voir comment ils sont en jeu, là c'est vraiment dur avec une bande-annonce de situer comment ils vont être, les animations et tout ça. Je sais même pas si on a vu le reculer pendant la bande-annonce, je pense pas. Du coup c'est un peu dur de viser le cheval, je pense qu'on verra mieux dans le jeu qu'en bande-annonce. Mais j'ai hâte quand même qu'ils sortent, je pense qu'ils sortiront mercredi du coup, et dites-nous. Dites-moi vous si vous en avez acheté un ou pas, si vous les trouvez intéressants ou non, si vous avez des avis. Je pense que je répondrai à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye bye tout le monde. Oui, oui.